Vous pensiez peut-être qu'on allait terminer l'émission de chasse printanière sans vous parler d'oie blanche? Ben, c'était mal nous connaître. Voici donc en rafale les meilleurs moments d'une journée de chasse passée sur la côte de Beaupré. Si la chasse du dindon au printemps est devenue populaire au Québec, un pèlerinage à l'oie blanche chez Martin Poisson demeure un incontournable au début mai. Imaginez la surprise ce matin à la pourvoirie Mirage, un vent nord-est de 30 km/h. C'est vraiment le vent que tous les chasseurs de canards attendent. C'est l'heure de la chasse. Comme quand on joue à la tag, ils nous ont juste frôlés, donc frôler compte pas. On continue. Et go! Non! Wow! Ça, c'est bien commencer une petite matinée comme ça. On sent que la marée commence à faire bouger les oiseaux. Notre Nordin nous supporte. Wow! Martin! OK. Hey Martin, tu sais-tu ce que j'aime le plus dans chasse à l'oie au printemps? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Tout. Tout. Des triples, des doubles, le duo est en feu. Le bon vent, les bons appels, oui. Tout y est. Là, on était vraiment tous réunis. Là. Vous avez Nicolas qui nous a fait les grognements en arrière, Martin qui était au fusil, puis moi qui a complété. Wow! Belle équipe! C'est beau, ça! Bon chien, Zoé. Elle a failli la ramener, la petite. Elle a passé bien proche, on avait chacun elle, une. Ouais, elle l'avait dans la bouche. C'est plaisant quand les oiseaux rentrent comme ça. Là, ce qu'on a fait, il a fallu avoir un dialogue avec l'oiseau. On a pris nos flûtes, on lui a parlé, j'ai pris mon fusil et on a envoyé une belle oie à l'eau que notre chien va rapporter. Allez, Lily, hop, hop, hop! Fallait pas penser qu'une petite pluie allait nous sortir de la côte de Beaupré. Un peu humide, mais bon, on s'amuse. Vous savez, à QVO, on aime ça s'associer avec des vrais. Bien, ce que je demande à Martin Poisson, c'est de nous parler d'une année de guidage chez Destination Le Mirage. Martin, ça commence au printemps? Oui, bien, c'est ça, la grande oie des neiges, chasse printanière sur la côte de Beaupré. En même temps, on fait le dindon dans le secteur de Victoriaville, dindon sauvage. Puis dès le début juin, aller jusqu'au début septembre, bien là, je me dirige à Bonaventure pour le guider à la pêche au saumon. En Gaspésie. En collaboration avec False Goody, mon autre pourvoirie. Et puis après ça, on tombe dans les oiseaux d'automne, bernache, canard, l'oie. Et puis simultanément, bien, on a la chasse aux chevreuils à Victoriaville dans le secteur de la zone 7. Bon. Donc, si on parle de plumes, écailles ou poils de chevreuil, bon, bien, on a Martin Poisson, une vraie destination à découvrir. Belle bleue. Bon chien, Lily. Bon chien. Ouais. Yes! Quand tu mènes une bonne vie, le soleil revient tout le temps dans ta journée. C'est comme ça. OK, go. Go! OK, go. Hein? Ça s'est fait vite. Notre combiné des chasses printanières est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié. Un gros merci à Yves Fortin et son fils Paul pour la partie dindon. Et un grand merci à Martin Poisson de Destination Le Mirage pour cette belle journée de chasse à l'oie blanche sur la côte de Beaupré. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Canam BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota.
et Remington.